Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc du coup là aujourd'hui en fait Ewan il a son vaccin. Donc là direction l'hôpital. Et puis après ce week-end on a nos amis d'enfance qui vont venir passer le week-end avec nous. Donc du coup bah, on va passer un petit moment avec eux. Comme ça on va en profiter pour vous les présenter. Donc là on va à l'hôpital et puis après on va rentrer faire un petit coup de rangement. Donc voilà, on va filmer tout ça avec vous. Jérémy doit aller en course aussi. Et puis là, il y a bébé Ewan, il est en train de dormir. Bon, on vient d'arriver. On vient d'arriver. Du coup, c'est tellement grand qu'on cherche. Monsieur, monsieur. Moins un. Hey, mais qu'est-ce que tu fais? T'appuies partout là? On est perdu. Nous sommes perdus. Au secours. On cherche encore. Mais c'est galère, hein. Bah de toute façon, ah bah oui, on est garé au rez-de-chaussée. Oh là là, la galère. C'est tellement grand ici en fait. Moi, je suis déjà venue une fois, non, deux fois. Mais Jérémy, lui, c'est la première fois qu'il vient. Donc du coup, on est complètement perdu. Là, on est ressorti. Et en fait, il faut suivre ce genre de code couleur en fait pour retrouver le service où on doit y aller. Donc c'est un petit peu la galère. Là, il est fâché là. T'es fâché ou quoi? Donc là on a fini le rendez-vous. Là on est chez Aldi. On va faire quelques courses pour tout à l'heure. Donc voilà, je vous prends dans le magasin. Coucou toi. Coucou bébé. Hein? Ouais. Mais même ça là, les céréales là. Les barres de céréales? Ouais. Je suis en train de prendre. Ouais, il aime bien ça. Pour le foot. On a changé un petit peu de Leclerc là. Du coup, on est à Aldi. On va voir ce que ça va donner au niveau des prix. On vous fera un petit retour de course. C'est qui veut plus rester dans la poussette? C'est qui veut plus rester dans la poussette? C'est qui a pété sa crise? Hein? Recoucou les amis, du coup on est rentré, il est pas loin de 14h, du coup on est en plein ménage, nos amis ils viennent de partir de chez eux. Regardez, il y a qui? Ewan, il est, il veut pas rester... sur le balancelle, du coup, bah, on va faire un ménage comme ça. Donc voilà.
Comme ça, on va faire le ménage. Donc là, du coup, je suis en train de faire à manger. Je vais tout ranger là. Ranger le lave-vaisselle. Coucou les amis, je vous reprends. Il est exactement 16h01. Du coup, regardez, on a nos amis qui sont arrivés. Coucou Eden, tu veux coucou? Salut. Salut les abonnés de Laetitia. On se retrouve à un nouveau vlog. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog en présence de Eden. T'as quel âge, Eden? 8 ans. Eden, il a 8 ans. Il est en quelle classe? Il est en CE1, Eden. C'est nos amis d'enfance. Et là, il y a son papa, Mohamed, et pour les plus intimes, c'est Momo. Voilà. Et ici, il y a Stéphanie. Et là, il y a Shaina. Ah oui. Il y a les deux contre Yana. Tu veux dire quoi aux abonnés, Eden? On espère que vous allez passer un bon moment en présence de nos amis d'enfants. C'est ça, Eden? Ben oui. Tu veux dire quoi d'autre? Je vais mettre un pouce bleu. Ah ouais, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on vous reprend le vlog tout à l'heure. Voilà, on se reprend tout à l'heure les amis. Restez connectés. C'est l'heure du petit café pour monsieur Momo. Tu veux te faire un café Momo? Oui. Attends, je te prends une tasse. Il est timide. Tu veux un café Steph? T'es timide, hein? Bah. Ça va, Momo? Ça a été la route? Eh, dis à Momo comment il faut faire. Allez! Il faut faire comme ça, il n'y a pas de caméra. C'est impossible. Ça va, Eden? Tu fais quoi? Mais je t'attends pour faire les vlogs, moi. Hein? T'as pas dit que tu devais faire les vlogs avec moi? Hein? Tu disais quoi? Ce soir, c'est pour le café soi-même. Ouais. Ah, c'est bon, vous êtes plus des invités. Hein. Vous êtes la famille. Bon, les amis, je sais pas si vous vous en souvenez, dans les FAQ, on disait qu'on s'était rencontré chez un ami. Voici l'ami en question, Momo. C'est un des meilleurs potes à Jérémy et sa sœur, c'est une bonne copine à moi aussi. Donc franchement, ça nous fait très plaisir que vous connaissez nos amis d'enfance. En fait, on n'a pas beaucoup, mais le très peu qu'on a, on sait qu'on peut compter sur eux. N'est-ce pas, Steph? T'inquiète, tu en prends l'habitude. Donc là, les amis, Jérémy, Mohamed et Loan, ils sont partis à l'entraînement. Je suis avec les filles, les deux pré-ados. Iliana et Shaina. Et je suis avec Ewan. Ewan qui s'est griffé sur le nez. Bah oui, tu t'es griffé. Non, il a mal au ventre, Ewan, aujourd'hui. Un bébé. Alors, il est lourd ou pas? Ça va? Tu veux un petit frère ou une petite soeur? Elle veut un petit frère ou une petite soeur? Quand t'as peur? C'est les invités qui mettent la table, regardez. Voilà. Et là, ça glande. Hein? Tu glandes? Ici, ça met la table. Et là, ça tourne la semoule. C'est une vraie africaine, hein? Vous avez vu ça? Le métier il rentre là, hein, Momo? Tu mets des fourchettes ou pas? Vous mangez à la main ou pas? Ah, fais pas le timide, Momo!
Comment il est gêné. Ah. Qui est là. Donc du coup, regardez les amis, là je fais à manger africain pour nos invités. C'est ce que j'avais fait hier soir, que j'avais filmé et que je vous montrais. Et ici, il y a le sauce ngunja que je vous ai montré la recette il y a une semaine. Bon appétit. C'est bon? Ouais, tu valides, Chaina? Eden, tu veux pas goûter ce que j'ai fait à manger? Et pourquoi? Et pourquoi? Hein? Non mais oh. Tu valides alors? Benaya, tu valides? Tonton, tu manges maintenant ou après? Moi, je vais manger après, je pense. Ok, après? Ouais. Okay. Bon appétit, la femme Max. Merci. Comment ça, la femme Max? Loan, comment ça, la femme Max? C'est pas ta famille qui est autour de la table? Si. Bah alors. Coucou les amis, on espère que vous allez bien. Donc nous sommes le lendemain, nos amis sont toujours là. Aujourd'hui nous sommes le 28 janvier et c'est l'anniversaire de Lenaya. Elle a quel âge Lenaya? 8 ans. Ouais, aujourd'hui Lenaya elle a 8 ans. Et là on a encore ici à Shaina. Stéphanie. Eden qui est là-bas. Eden, viens faire coucou Eden. Pourquoi tu pleures? Eden, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as? Il se passe rien aujourd'hui. Il se passe rien? Pourquoi tu boudes? Qu'est-ce que t'as fait, Iliana? Iliana, elle t'a embêtée? Non. Elle t'a dit non, quoi? Parce que j'ai dit je suis plus son amoureuse. Pourquoi t'es plus son amoureuse? Bah, je sais pas. Parce qu'il m'a tapé. C'est plutôt l'amoureuse, Eden? Il m'a tapé. Quoi? Il m'a tapé, donc je suis plus son amoureuse. Mais là, je suis redevenue son amoureuse. Ah, t'es content? Oui. Donc du coup les amis, je vous disais, aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Elenaya, donc elle a 8 ans. Du coup là hier on a pris des gâteaux, on a pris un gâteau à Leclerc, je vais vous montrer ça. Attendez, je vais ouvrir le frigo. Un petit gâteau. Il vient de chez Leclerc. Saveur spéculoos pour 8 personnes, 11,50 €. Donc là, aujourd'hui, elle va souffler ça pour le jour J. Comme c'est aujourd'hui même son anniversaire. On a pris aussi un shampoing. Il y a du shampoing là-haut. Donc voilà. Et ce soir, regardez, on a fait un crumble aux pommes pour le goûter. Tu vas manger ça? Peut-être. Du coup, on va faire ça pour ce midi. Donc là ce matin, Jérémy il est pas là, il est parti avec Mohamed au foot parce qu'aujourd'hui Loan il a foot, il a un match ce matin. Donc ils sont partis depuis 8h 8h, 9h. Ouais, depuis 8h, 9h, ça c'est Shaina, la fille de nos amis. Du coup ils sont partis depuis tout à l'heure, donc là ils sont pas encore rentrés, il est midi, ils sont pas encore là. Du coup je pense que nous on va manger, nous mangerons après. Donc voilà, du coup je vous ai pas pris ce matin parce qu'on a rien fait d'espèce exceptionnel. Comme ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on a juste papoté. Donc voilà, on n'a rien fait de fou. Les enfants, bah, elles se sont réveillées. Vous êtes réveillées à quelle heure, vous? Moi, vers 7h et 8h. Vous êtes réveillées à 7h? Oui, mais je n'arrivais pas à dormir. Donc du coup, bah, les filles se sont réveillées à 7h. Nous, on s'est réveillées. Tu t'es réveillée à quelle heure, toi, Steph? 7h. À 7h, moi, je me suis réveillée à 7h. Non, pas à 8h. Non, à 8h. Moi, à 7h. Réveillée à 8h. Avec les horaires scolaires. Et encore, non, en ce moment tu fais des efforts, en ce moment tu te réveilles plus tôt. Bah oui. Ouais, non, moi d'habitude, une fois c'était jusqu'à midi, elle a dormi. Donc là, en ce moment, ça fait 2 semaines, elle se réveille tôt. Ah ouais. C'est bizarre ça, cette affaire. Une fois elle se réveille, mais ça va pas, t'es malade ma fille. C'est à côté de l'école. Et madame, elle est là. Et il y a Ewan qui est là en train de dormir. J'adore. Donc voilà, du coup, donc ce matin on n'a rien fait, on a papoté. Et là il est midi, je pense que là on va. Vous avez faim ou pas? Ça va. Vous n'avez pas faim? T'as faim toi? J'ai surtout mal au ventre. Elle a faim, donc je vais faire à manger. De toute façon, attends, on va manger le reste d'hier. Bon, de toute façon, vous avez déjà vu, hein, j'avais fait les repas africains que j'avais filmé. Donc c'est ça qu'on va manger. Maman, c'est vrai qu'il va aller. Il est parti ou pas au truc de l'OL? Non, Toto, il n'est pas parti. Ah, mais il a pas dit qu'il allait pas. Bref. Voilà, voilà. Vous voulez vous filmer, les filles? Ouais.
Tenez. Là, maintenant, comme il y a Shaina, tu veux bien te filmer. Mais si elle est pas là, tu vas pas vouloir te filmer. Mais parce qu'on s'ennuie après. Enfin, il n'y a rien à faire après. Bah, alors, viens, on va voir. C'est pas grave. On va aller le voir. Bah, il dort. Il dort. Voilà, il dort. Du coup, nous, on est dans le salon. Je vois pas l'hôtel. Et bah, là, maintenant, on va me donner. Et du coup, c'est moi qui ai lissé les cheveux de Shaina. J'ai pris Shaina d'anniversaire. À 0,30 ans ? J'ai pris deux gros. Bah, ma mère, elle en a voilà. 21 euros. Voilà. Arrête, c'est cher. Ça va pas, là, c'est 11 euros. Hein. Ah, c'est en été 20. C'était quand même pas aussi. Ce soir après, elle va faire 10. Il est cher, donc ça faisait 20. Regardez, ça, c'est pour ma clé. Ça, c'est ça. Il a eu ça au collège. Et voilà, et voilà, et voilà. Bah, tu peux pas là, sinon on prend après. Donc là, on a fini de manger, les filles. On va manger notre crumble. Et ben, je prends du crumble. Lily, tu sers. Tu fais en sorte qu'il nous reste pour les gars. Ouais, ça va manger au cuic alors qu'on a fait à manger. C'est normal, ça. Hein? Moi, j'ai gros ventre. Ah, et ouais, Eden, ça se fait pas? Ils sont partis manger le cuic. T'as vu, ils nous ont même pas invités. Tu veux dire quoi, Jérémy? Pourquoi t'as pas invité? T'as pas de chance, Jérémy, de manger cuic. Nous, on a bien mangé, nous. Hein. Ouais. Ouais. T'aimes bien? Le gâteau, t'aimes bien? T'as déjà fini de manger, Shaina? Ouais, j'ai déjà fini. Ah ouais. Elle en a pris un petit peu parce qu'elle est venue. Tu en veux? Bon, ça y est, les gars, ils sont rentrés du foot. Ça a été, Loan? Oui, ça a été. T'as gagné? Non, j'ai pas gagné. C'est pas grave. Ça va, Momo? Ouais. Ça a été? T'avais chaud? Ah non, ça va? Vous avez bien mangé au cuic? Oui, ça va. Ça fait à manger à la maison et ça part manger au cuic? Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Lenaya! Joyeux anniversaire! C'est bon? Souffle! Ouais! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, nous sommes le dimanche 29 janvier. On est toujours en présence de nos amis Stéphanie et Mohamed et leur fille qui est derrière moi. Donc là, il est presque midi, je vous prends assez tard. Donc là, je suis en train de faire à manger, je suis en train de faire des nuggets. Tu veux parler? Tu veux faire coucou, Shaina? Je suis en train de faire des nuggets comme ça. Des pommes de terre au four, je vous montrerai après. Et avec Stéphanie, comme il nous restait des pommes, on a refait des crumbles. Parce qu'en fait, franchement, c'est super bon et surtout super facile à faire. Du coup, on s'est dit pourquoi pas. Vu qu'il restait 4-5 pommes, on a fait des crumbles. Et là, du coup, je vais commencer à faire du riz pour manger avec le reste. Tu fais coucou, non? Pour manger avec le reste du repas. Il y a Eden. Donc voilà. Coucou Eden, tu viens dire bonjour Eden? Non, t'as pas envie aujourd'hui? Ok. Donc voilà les amis. Et là, du coup, Jérémy, il dort encore. Il a fini ce matin. Il était 5h du matin. Donc là, il dort. Il va bientôt se réveiller. Je vous reprends tout à l'heure. Voilà les enfants. Il est midi. Les enfants sont partis manger. Ils sont en train de manger. On a fait des potatoes avec des nuggets. C'est bon, Shaina? C'est bon, Eden? Ouais? Et voilà les amis, c'est le moment pour nos amis de partir. Tu vas partir, Shaina? Ouais. Oh. Ça y est, c'est l'heure. Ça va, Eden? Tu vas partir, Eden? Eden, il fait la tête. Il a pas envie de partir. Il a pas envie, voilà. Ouais, il a pas envie. Il a pas envie de parler. Il a pas envie de partir. Il fait la tête. Pas envie de partir. Ouais, ça va faire un vide quand vous allez partir. Ouais, je vais pleurer. Mais non. On va venir dans 3 semaines. Bah oui. Mais dans 3 semaines.
non. Mais si. Il vient pas à la maison. Je m'en fous, moi, j'ai envie de. Il est l'heure de partir. Ça y est, maman. T'es prêt? T'as mis les chaussures? Et qu'est-ce qu'il y a? Il a pas envie de parler, il a pas envie de partir. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at it the same way. Hello, mon bisou, Eden. Si tu me fais un bisou, Eden, je suis pas contente. Et voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ce week-end avec nos amis vous a plu. Le week-end a été trop court mais trop bien. De toute façon, on les revoit dans 3 semaines, on a trop hâte. Donc voilà, ça nous a fait très plaisir de vous avoir présenté. Donc franchement, c'était trop cool. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. On vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous. Bye. Bye.